Et voilà, Yann sont en train de jeter la tête. On doit coq. C'est pas bon de dormir au milieu des gens, c'est pas intéressant. Vous n'êtes pas plus fatigué que moi. J'ai fatigué. Mais je me dis, je suis appelé à ça. Et Jean le chapitre 1, le verset. L'évangile de Jean le chapitre 1, le verset 12. Madame, ça va à ton mari? Je te vois en train de pleurer. Jésus va le délivrer. Viens ici. On ne s'amuse pas avec les choses spirituelles. Pour ça, même un homme de Dieu, on ne l'insulte pas. Il n'y a rien de sa part, il y a des symboles avec lesquels on ne joue pas. Un homme de Dieu, quel que soit ce qu'il est, il reste un homme de Dieu, il doit vous méfier. Les gens, ils se lèvent comme ça. Mbou. Il y a des choses, il ne faut pas jouer ça. Il prend l'huile de l'huile sainte là, il prend ses amusements. Moi-même, aujourd'hui, là, je ne parle plus. Tu es sorti, je te vois, je ne dis rien. Tu prends l'huile là, la gare de fou. Mais c'est encore mieux. Oui, parce que les gens, ils viennent essayer. Comme ils ont l'habitude d'aller tuer même les soi-disant chrétiens, mais comme ils rentrent à l'église, sans rien, ils veulent jouer. L'huile, vous voyez là, l'huile sainte là. Nous prions la dessus qui s'est consacrée. Tu as vu l'étage de ton mari? Tu as vu, non? On ne joue pas ça. Il veut prendre l'huile là. Il veut jouer ça. Vous savez que quand un sorcier prend de l'huile sainte, et puis il arrive à maîtriser l'huile sainte, il monte en grade. Vous savez pas ça? Oui, ils montent en grade. Or, eux, ils aiment ça, monter en grade. Quand ils montent en grade, là, il peut déjà, lui, même s'il ne donne pas dans sa famille, mais il peut aller manger la viande de d'autres personnes. Vous comprenez? Donc, ils aiment bien essayer les choses de Dieu. Ils viennent essayer, tu as vu? C'est pas partout où on voyage. C'est pas partout où on gâte. Hein, Dieu va le délivrer ton mari. Il est fou, c'est un fou, il se trouve. Hein? Il est fou. Et là, il part sur. Il regarde. On ne joue pas à Dieu, hein? Quelqu'un ne joue pas à Dieu. On ne joue pas à Dieu. Combien? Dis-tu pas nos camarades, hein? Pardonnez. Dis-tu pas nos camarades? Je l'ai vu tout à l'heure, mais je suis encore choqué. Et où elle est partie? Oui, elle avait parti à l'Ontario. Quand tu es dégagé, elle est dégagée. Les images sont arrachées. Elle fout tout, elle compte. Voilà. Amen. Donc, Jean le chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Regardez. À tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire quoi? Quand tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur, quand tu décides, à partir d'aujourd'hui, je décide d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, et tu crois à la puissance de Dieu, immédiatement Dieu fait de toi son fils. Amen. Son enfant. Amen. Est-ce qu'on va saisir? Amen. Oh, un enfant ne joue pas un enfant. Tu vois ça? Mm-hmm. Quelqu'un peut venir jouer à ton enfant. Or, quand tu es enfant de Dieu, Dieu ne s'amusera pas à toi. C'est-à-dire, Dieu, tu le reconnais comme enfant, mais je ne jouerai pas à toi. Or, un enfant aussi doit obéir à son père. C'est ça le problème. Et quand on est enfant de Dieu, nous devons être en mesure de marcher selon la parole de Dieu. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Oh, le diable, c'est qui marche sur la parole de Dieu qui ne joue pas. Il nous connaît. Je suppose qu'on a venu à l'église, mais il met la parole de Dieu en pratique. Or, quand on met la parole de Dieu en pratique, Dieu nous protège. Ce n'est pas non, le nom de Jésus seulement, mais quand on met la parole de Dieu en pratique, Dieu qui nous protège. Amen. Amen. Or, quand tu es en Jésus-Christ, le sorcier ne peut pas te détruire. Souvent, les gens disent, mais le prophète a versé l'huile sur moi, j'ai le bon nom. Mais est-ce que toi, tu as changé de position? C'est ça le problème. Parce que c'est ça, il y a des choses dans lesquelles Dieu aimerait que tu sois. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vole, qui est dans les vols, dans les trucs. Chacun a son clan ici. C'est vrai, il y a des bruits, c'est des bruits. Les personnes, c'est des délinquants. Nous, on est calme ici, personne ne fait bruit. Mais entre vous là-bas, là, petite chaise là, il n'y a rien pas là. Nous, on est tranquille, c'est dans vos camps là-bas, il n'y a pas là. Des délinquants. C'est pour ça que la société ne jouait pas ça.
Amen. Amen. Donc quand on est en Jésus-Christ, qu'on accepte Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Mais quand tu dis que tu es en Jésus, et puis les choses que tu faisais comme péché, il y a les choses que tu continues de faire, c'est fini. Dieu enlève, c'est comme il y avait un parapluie sur ta tête, n'est-ce pas, pour t'abriter contre beaucoup de mauvaises choses, peut-être contre un danger. Et quand tu commences à faire des choses, Dieu enlève. Et maintenant, tu deviens la cible de beaucoup de choses. Les choses commencent à arriver. Or, quand les choses commencent à t'arriver, il faut toi-même te remettre en cause. C'est-à-dire, n'attaque pas rapidement la sorcellerie. Amen. Amen. C'est ça le problème des gens. C'est le sorcier. C'est ma maman qui m'a fait ça. Or, toi-même, là, tu as brisé le mur de protection de Dieu autour de toi. Or, si tu brises, ils vont venir. Ils jouent pleinement leur rôle. C'est de t'attaquer. Or, si le diable arrive à t'avoir, c'est que tu as brisé le mur de protection. Tu as posé un acte qui n'a pas plu à Dieu. Amen. Amen. Tu es dans un esprit de rébellion. Or, c'est ça qu'il faut éviter. Amen. Amen. Si le diable a accès à ta vie, s'il a commencé à détruire des choses, c'est qu'il a un droit légal. Il a trouvé raison que toi, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont aimé Dieu et puis en train de marcher selon la parole de Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu mais qui marchent pas selon la parole. C'est la parole de Dieu. Or, ce que Dieu aimerait, c'est que nous puissions marcher selon sa parole. Nous arrêtons pas au stade de j'accepte Jésus-Christ, mais nous devons être les enfants obéissants à Dieu, puisque nous faisons partie du royaume de Dieu, nous sommes ses enfants. Amen. Amen. Et si nous obéissons au Seigneur, tout ce que nous avons fait, ça va marcher. Amen. Oui. Parce que ne pensez pas que vous n'avez pas votre part. Ah, le prophète a prié, c'est tout. Non, ce n'est pas du fétichisme. Tu as part sur le christianisme. Ça part de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc ta part, c'est maintenant changer. Si tu as cherché un mari des gens, il faut changer. Chacun aura son mari, sa femme, sorcière. Il y a des gens qui sont trop terribles. Les hommes occupés là, c'est ce que vous regardez. Et puis il y a des gens aussi, ces femmes qui sont mariées là, qui regardent. Ça, c'est la sorcière. Amen. Amen. Non, quand il est venu vers moi, mais est-ce qu'il n'est pas marié? Oui, il est marié. Or, quand un monsieur est marié, et puis il t'aborde, et puis il dit il est marié, toi tu vas vouloir qu'il ait sa femme pour t'épouser. Donc tu commences à pratiquer une sorcellerie. Tout le monde c'est manger âme. Or, sorcellerie, c'est la destruction. Tu vois que le monsieur t'occupe de toi bien, et est-ce qu'il pourrait mettre mon mari? Donc directement, quand il va commencer à parler de sa femme, ça va t'énerver. Pourquoi c'est devant moi tu parles de ta femme trop? La sorcellerie a commencé. Amen. Amen. Dieu a quelqu'un, Dieu peut te donner ton mari. Dieu peut donner ta femme. Amen. Ne cherchez pas au moins dans les histoires, les complications. Vous êtes là, c'est les gens mariés. Il y a d'autres qui m'ont dit non, c'est les gens demandés seulement qui viennent moi. Mais il faut leur dire non. Ta bouche est fermée aussi. C'est ceux qui sont mariés qui me regardent seulement. Il faut aussi dire non. C'est-à-dire que toi-même, tu as un problème. Comment c'est lui qui est marié là, qui cherche à t'aborder? Amen. Amen. Et quand vous êtes dans une relation, je vous explique qu'il y a des symboles, il y a des choses qu'on ne veut pas. Quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un et que ça va, ça marche, et que vous venez détruire ça par une autre relation, même si la personne ne sait pas, que vous détruisez ça par une autre relation, ça ne va plus marcher. Elle m'a bien saisi. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Amen. Okay. Je prends un exemple. Je commence à voir une fiancée. Hein? Nous aimons. Ça va, ma fiancée et moi, on sait, que ça va. Et puis il y a quelqu'un qui commence à tromper son ami. L'autre ne sait pas, mais l'autre se comporte mal. Et puis il ne sait pas. On se voit, on parle, mais il y a quelqu'un qui ne joue pas. Le fait que tu aies fait ça toi-même là, et tu l'aimes peut-être, mais tu as trompé le fiancé, Dieu ne permettra jamais que vous allez loin. Parce que si vous allez loin, tu vas le détruire, le tromper. Puisque tu n'as pas eu peur de le tromper, malgré les fiançailles, ça va continuer dans le foyer. Vous comprenez, non? Les habitudes dans les fiançailles, ça va rejaillir dans le foyer. Est-ce qu'on a bien saisi? Oui. C'est ça que déjà, quand vous avez une relation, quand vous commencez à aimer une personne, vous savez que vous l'aimez vraiment. Vous les parasites, là. Les gnani. J'étais ça. Amen. 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 Si vous voulez même changer même depuis, c'est bon. Mais c'est vrai. C'est ce qu'il dit souvent aux gens. Si tu sais que c'est lui là, que l'homme de ta vie, c'est tel que l'homme de ta vie, il y a des comportements qui doivent changer.
dans vos programmes, il doit occuper votre journée. Moi, si j'enseigne beaucoup, hein. Si vous aimez une personne, elle doit occuper beaucoup vos journées. Amen. Amen. Je m'en viens saisi. Amen. Attends, il va dans ton portable. Non, non, non. Pourquoi t'as rien, ma pote? C'est qu'il y a un problème. Il y a des gens qu'on peut donner portable à leur fiancé. J'ai peur de découvrir. Il y a des choses que tu as pu faire. Or, si tu avais des copains avant qu'ils ont ton numéro, là, ils vont t'envoyer des messages bizarres. Ça va jouer aux relations. Or, s'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'amour. Une relation est basée sur la confiance. Amen. Après ça, amen. J'ai attaqué les sorciers. Non, les sorciers viennent bénir mon mariage. Toi-même, t'as dit. Ça m'a bien saisi. Amen. Les symboles et les choses sont très puissants. Cette histoire de relation, vous avez une relation, ne permettez pas. Aujourd'hui, il y a Viber, c'est grave. C'est gratuit. Je n'ai pas envoyé un message. WhatsApp. Il y a des choses qu'il faut éviter. Quand tu commences à avoir une relation, tu sais que vraiment c'est elle, cette personne-là ou cette femme. Il y a des choses pour plus frustrer la personne, pour plus avoir d'autres relations, tu vas venir détruire. Et toi, pour plus aller dehors. Or, si tu regardes dehors, la relation ne va plus aller de loin. Forcément, ça s'est gâté. Parce que Dieu va pas te voir souffrir. Ce que la personne fait dans ton dos, là, elle fera ça dans le foyer. Tout ce qu'elle n'a pas pu être fidèle, même dans les fiançailles. Malgré la distance, malgré le temps, tout ça, la personne n'a pas pu être fidèle. Ça veut dire que dans le mariage, ça va chercher une continuité. Or, Dieu éternellement, il ne va pas te donner une femme qui va te crier, t'attrisser chaque jour. Or, la Bible dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Amen. Vous comprenez? Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. C'est pas parce qu'elle est belle. Vous voyez, quand elle marche, c'est joli, puis les gens apprécient les jolies. Non. Est-ce que l'intérieur est propre? Vous savez, la chose qui fait plus mal au monde, hein? C'est l'infidélité. Vous savez pas, c'est l'infidélité. C'est plus dangereux que l'âme Juliette. Ça déchire le cœur. Tu as plus qu'il t'attend que l'embrasser. Non, il y a des choses. Tu peux me faire 2 mois, tu déprimes. La plus grande des maladies, c'est la déception. Si moi, je n'ai pas vécu des choses, je n'ai pas parlé de ça. Pendant que je parle, je sais si j'ai vécu. Amen. Amen. Vous savez, quand tu veux marier une femme, il faut bien la réalité. Amen. Amen. Je suis un conseiller. Non, c'est... Ouais, conjugal. Donc, quand vous voulez, venez vous donner des conseils. Parce qu'il y a des femmes, il y a des symboles de femmes qui correspondent au nombre de personnes. Et si tu tombes sur une femme, ça veut dire, deux caractères ne peuvent pas aller ensemble. Dans un couple, dans un truc, d'abord dans les fiançailles, la seule chose que vous devez remarquer, est-ce qu'il y a la paix dans vos fiançailles? Est-ce qu'il y a la paix? Parce que, même quelles que soient les histoires, il y a quelqu'un forcément qui doit s'humilier. Pas parce qu'il est bête, mais pour garder la relation. Et ça la longue, 1 mois après, 2 mois après, puis il revient sur le sujet, vous dit, je n'ai pas voulu trop discuter avec toi parce que je ne voulais pas que nos relations se détruisent. Mais en temps normal, voici. Tu peux comprendre la personne qui a donné. Sinon, en temps normal, dans une relation, il y a forcément forcément s'humilier. Avoir le sens de l'humiliation, ça dit quoi? Ça dit faut briser l'orgueil dans le foyer. Dans les relations. Or, s'il y a de l'orgueil, vous n'allez jamais aller loin. Généralement, les hommes sont beaucoup orgueilleux. Généralement. En général, c'est les hommes. Ils sont très orgueilleux. Ils n'aiment pas tout se rabaisser. Parce qu'ils disent qu'ils sont ils sont forts, c'est les gars, c'est les hommes. Ils s'en fichent de la femme. Amen. Amen. Dans une relation, il faut quand même voir la femme comme une aide. Voir comme la femme comme une aide, quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Non, vous ne pouvez pas voir la femme comme une femme, un être faible, inférieur à toi, et c'est dangereux. Amen. 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 Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Si tu es habitué à avoir 2 copains, 3 copains, il y a des gens comme ça. Hein? Il y a une fille, il y a une soeur, elle est venue me voir parce qu'elle a 3 copains, elle ne sait pas qui va choisir. Je lui ai dit, mais c'est ce qu'il dit là, ça m'énerve déjà. C'est moi qui viens de choisir. Pourquoi tu as vu la voix des amis là?
Look at toi. Ah! Elle me regarde. Elle dit, mais oui. Elle dit, mais comment tu peux avoir trois? C'est moi qui viens choisir une famille. Elle dit, non, je ne suis pas prêt. C'est vraiment. Et si tu es habitué à cette vie-là, il sera difficile pour toi. Même si toi, c'est un monsieur qui est bon, mais comme ton corps est habitué à ça, habitué à tromper, il y a des gens qui n'ont pas le son de la fidélité. Et ça leur dit, ah, ça fait, ça lui là, c'est qui son sème. Il peut être triche à côté, il triche à côté. Ça ne va jamais aboutir à quelque chose. Si vous mettez ensemble un jour, ça va se gâter un jour dans le foyer. Parce que vous n'avez pas peur à vous respecter. Quelque chose à la distance. Vous n'avez pas peur à vous respecter. Et c'est pour ça qu'il faut respecter certaines choses. Une fois qu'on commence à aimer, ouais, l'amour, là, c'est le symbole de beaucoup de choses. Hein. C'est la protection. C'est la confiance. Et c'est tout ça l'amour. Amen. Amen. Vous remarquez dans nos églises, ceux qui viennent, ils ont plus de problèmes de cœur. Il n'a pas dit c'est Christ, il n'a pas dit tension. Hein. Cœur blessé. Amen. 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 Il faut apprendre à entretenir les relations. Et tout cela, c'est important. Comme ça, tu verras la main de Dieu avancer sur ta vie. Mais les gens veulent forcément avoir trois copains. Bon, lui, il fait la maison. Il va donner l'argent du mois. Lui, là, c'est celui-ci. Bon, lui, là, il a mis. Lui, là, c'est un chaos. Il va à l'église. Il y a des sorciers comme ça à l'église. Puis il y a des sorciers aussi. Ils sont avec une femme, ils ont des relations dehors. Et quand ils finissent, ils rentrent à la maison, là, qu'est-ce qu'ils t'envoient? Hein? Répondez-moi. Hein? C'est démon. Tu allais le prendre chez lui à la maison, t'envoies. C'est démon, t'envoies. La femme t'a pas vu, non, mais démon t'a suivi dans le foyer. Ah, parce que tu as brisé ça. C'est toi qui as cherché. Non, moi, quand je vois les gens, ça ne marche pas. Mais ce que tu fais là, ça ne va jamais marcher. Il faut laisser ça faire des sorciers. Laisse ça faire des sorciers. Et justement, tu as un bon comportement. C'est ça le problème. Comme sorcier, chez nous, on appelle les sons Koulaba. Son nom est gâté. Mais en tant que toi-même, tu dois adopter un bon comportement. C'est en fonction de ça, Dieu bénit. Quand tu es bien, tu marches bien, Dieu oublie de te bénir. Vous n'êtes pas choqué la personne qui te donne. Amen. Amen. Si vous voyez une fille en même temps, tu as envie d'elle. Ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire qu'on voit plein de filles dans la rue. Il y a des gens quand ils voient des filles nettes, c'est fini. Il ne peut plus avancer. Il y a derrière. Pipi, monsieur. Souvent il fait accident, il regarde. Puis il est dans le ravin. Il accuse, a dit qu'au village il l'a renversé. Non! Quand on commence à aimer une femme, il faut l'aimer. Amen. Amen. Alléluia. Puis je vous donne les conseils. Quand vous commencez à aimer une personne, vous êtes fiancé, mettez sa photo au cheveu de vos lits. Hein? Les gens n'aiment pas ça. Mettez sa photo dans votre portable. Tout ça, c'est important. S'entretenir vos relations et tout ça. Et puis, chose intéressante, il faudrait que les gens s'engagent. Qu'ils s'engagent à plein dans votre vie. Qu'est-ce que ce soit pas de la peu près. Si les gens vous aiment véritablement, qu'ils s'engagent dans votre vie. La famille, ils doivent connaître la famille, ils doivent s'impliquer dans votre quotidien. Vous devez tout savoir de lui. Amen. Amen. Vous ne savez pas de rien de lui. Lui doit tout savoir de vous. C'est-à-dire qu'il sait de tout. C'est-à-dire vous devez vous rendre visible. Il doit connaître chez toi, connaître tout. Tu dois connaître sa vie avant de pouvoir vous engager. Comme ça, tu n'as pas de problème. Tu as bien réfléchi pour entrer dans le foyer. Amen. Parce que les moments de fiançailles, c'est les moments d'études. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Sinon, si tu n'as pas de comportement, tu peux même rester là comme ça. Tu vas pas avoir bon mari. Oh, l'âge passe. Avance. Une année, l'âge passe. Ce n'est pas à tous les pispis sont les bons. On dit amen. 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 Si vous voulez regarder les gens qui vous draguent, vous avez les problèmes. Moi-même, je suis fatigué. Moi-même, prophète, on me drague chaque jour. Quand je permets d'aller sur Facebook. Mais j'ai la vérité. Mais ce n'est pas à tout on faut céder. Ouais, ce n'est pas à tout faut céder.
Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit marcher selon la parole de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, il faut marcher selon la parole de Dieu. C'est parce que le prophète a versé l'huile sur toi, que toi tu dois vivre une vie de dépravation, une vie de désordre. Si tu vis une vie de désordre, tu appartiens à Satan. Or, si tu as l'esprit de Dieu en toi, c'est ce qui va créer en toi, c'est la crainte de Dieu. Or, si tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Amen. Amen. C'est ça. Je suis allé chez le prophète, il a versé l'huile sur moi, les attaques continuent. Il faut te remettre toi-même en cause. Quand tu vas commencer à voir les choses, commencer à t'attaquer, ça veut dire toi-même, là, ta position vis-à-vis de Dieu a un problème. Dis amen. Amen. C'est sacré. Lui, il vient, ça vous nettoie. Vous savez, pourquoi on exige beaucoup l'huile d'onction? On exige beaucoup l'huile d'onction parce que c'est important. Le fait, s'il te plaît, va dehors, dehors, t'apprendre votre téléphone. Vous n'êtes pas gêné, la meilleure manière. Donc, regardez, quand vous avez marché avec Jésus-Christ, connaître Jésus, il y a des choses que vous devez. Seulement lui, vous voyez lui là. Ça a vraiment quelque chose de très important et efficace. La preuve, vous avez eu un petit sorcier là-bas, il a joué avec de l'huile. C'est pas la première personne. Hein. Il y en a plusieurs personnes comme ça. Ici, si, quand c'est lui, le cas des Awa, il y en a plusieurs personnes comme ça. Or, quand le sorcier vous agresse, ça veut dire qu'il vous noircit. C'est ce que vous ne savez pas. Quand on dit que quelqu'un est noir, c'est spirituel. Et dans le noir, ça veut dire les choses qui sont bien, là, ça ne va jamais t'arriver. Tu as un diplôme, tout est bloqué. Ça veut dire qu'on t'a noirci. C'est ce qu'on appelle l'aura. C'est gâté. Donc, tout ce qui est chance, ça ne va jamais. Tu vas voir, entendre parler, ça ne va jamais aboutir. Or, quand on verse de l'huile sur vous, c'est comme de l'or. Pour ceux qui n'ont jamais vu de l'or, j'explique. Pour ceux qui ont déjà vu de l'or, c'est ce qu'ils font de l'huile. C'est vrai. L'or, vous prenez ça, c'est comme du sable. Comme du sable, ça a la couleur du sable. Pour faire briller de l'or, bon, d'autres fois, passer le feu. Mais il y a un autre produit, il y a un produit qu'on met sur de l'or et ça enlève les saletés sur l'or et ça donne l'éclat à l'or. C'est comme ça l'huile, vous voyez l'huile simple là. Comme on t'a noirci, quelle est l'action qui vient détruire ça? C'est pour ça que Jacques dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les responsables qu'on verse de l'huile sur vous. Pas parce qu'on a de l'huile ici qu'on vous fait acheter, qu'il faut forcément vous imposer, mais c'est important. Parce que même les disciples de Jésus-Christ ont utilisé ça. Dans Marc 6, le verset 13. Donc lui, vous voyez là, moi-même j'utilise ça. Oui, parce qu'il y a un moment du ministère, on sent qu'il y a des choses qu'on a besoin de renouveler. C'est pour ça que la somme dit, et David dit, il m'arrose une huile fraîche, comme lui du moteur, il faut tout changer. C'est ce qu'il a conseillé, il dit aux gens, si le prophète vous est, si le prophète vous est, il est de même du jeu quand même conseillé. Mais il y a des choses que vous devez suivre. Un, vous ne devez plus négliger la prière. Vous ne devez pas négliger la prière. Or, celui qui néglige la prière de 4h du matin, il gâche sa journée. Ça, chaque jour, il dit ça. Or, pour rentrer dans la journée a des oreilles. La journée a sa réalité. Je vous assure, si vous levez de la chambre, vous n'avez pas prié, tout ce que vous êtes en train, vous allez faire là, ça se gâte. C'est ça que j'insiste là-dessus. On ne sort pas d'une chambre comme ça. Nos frères musulmans, ils connaissent ça. Mais c'est dans la Bible. Non, la journée, là, c'était difficile pour moi, mais qu'est-ce que tu as fait? Rien. On se lève un matin, on ne prie pas, on ne fait rien. Mais ça va se détruire. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Bon, le prophète a prié pour toi, ok. Tu ne vis pas une bonne vie. Les choses vont venir. Or, celui qui est en toi est désormais le Saint-Esprit. Il n'aime pas, il y a certains choses qu'il n'aimera pas. Comment ne peut pas prier pour toi et toi tu te retrouves dans les coins des prostituées par exemple. J'ai dit des choses aujourd'hui. Là. Tu te retrouves dans les coins des prostituées, des lames, les vous les connaissez, elles ont fini ça. Elles ont fini ça. Tu as gâté ta vie. Tu gâtes. Les sorciers m'attaquaient, mais toi-même t'es quitté là, c'est bon. Donc, le christianisme c'est une vie. Qu'on a en Jésus-Christ, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Tu vas voir le drôme, tu es assis. Et tu vas voir le balai.
Où on vend beaucoup, c'est avec Baladrope. Où on insulte les gens, c'est avec Baladrope. Où on fait grand politique, c'est dans Baladrope. Où on critique, c'est là-bas. Tu vois, les gens, nous on a détruit un truc comme ça à Zaroko. Dernier cas, on a cassé le dernier cas. Un monsieur, dernier cas, il dit, je dois bandier à tout le monde. Depuis, on a évangélisé. C'est fini. Ça marche plus chez lui et c'est fini. Je ne suis pas contre l'alcool. Mais quand quelqu'un boit, il cherche quoi derrière ça? C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'esprit qui nous amène à boire. D'autres me vont définir trois quasi. Ah, Dieu, ton point. C'est-à-dire qu'il est possédé. Donc, il y avait un esprit qui boit sa place. Et puis, il a son ventre, il est sec. On devait prendre des balais et finir trois casiers de bière. Et c'est quoi? Toi-même, tu sais qu'il est possédé. Qu'est-ce qu'il cherche en buvant trois casiers de bière? Or, Dieu condamne ce qu'on appelle l'esprit d'ivrognerie. C'est ce que Dieu condamne. Or, quand on est ivre, on ne peut plus se contrôler, on dit des conneries. Le quartier, là, c'est bizarre. Il attend les vieilles derrière là-bas. C'est le voyou. Allez, allez, au coin, allez, là-bas. Une personne là-bas, Oui, oui. Mets pas ici. Les sorciers, c'est les délinquants. C'est le voyou. Or, Dieu condamne l'esprit du grenier. Quand quelqu'un boit beaucoup, il ne peut plus avoir des peines dans son foyer. Il est sous là. Il va vomir, odeur, après la chope. Il va aller dormir, odeur, là. Alcool, tout ça. Cigarette aussi, c'est pas bon. On est train wagon. On fume. Vous fumez, on met l'huile là, si vous trouvez que c'est bon. Non, il y a des choses quand l'huile touche ta tête, il y a des choses que vous ne devez plus faire. Quand tu dis aux gens, cigarette là, ça t'en fait, ça en donne quoi à ton corps? Ça envoie une vitamine. Il y a quelle vitamine qui rentre quand tu fumes? Rien. Mais rien, jette. Non, je prépare. Ok. Je vais avoir cancer un jour de poumon. Amen. Donc lui là, c'est trop symbolique. Il y a trop de choses. Donc quand on verse toi, il y a un nombre de vies que tu dois avoir. Et on dit tu es consacré. Ça veut dire quoi? Tu deviens un homme dédié à Dieu, tu appartiens à Dieu. Or, Dieu n'aime pas ces choses. Chose bizarre, c'est que quand vous étiez chez Satan, vous respectez les commandements de Satan. Les règles, là-bas, on dit fétiche, il va avec Satan, qu'est-ce qu'il fait, fétiche. Vous avez peur. Vous fétiche, là, ça vous fait peur. Maintenant, pour Dieu, ça ne vous dit rien. Ils ont peur après des fétiches. Mais que tu les as dit, aux gens. Amen. Amen. Si vous voulez avoir continuellement la protection de Dieu, c'est tellement simple. C'est de marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu est béni. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est béni. Moi, je suis un témoignage. Dieu est béni. Il peut dépendre de la poussière d'une famille bizarre, pauvre, sorcière, une famille bizarre, et puis te bénir demain. Amen. Mais qu'est-ce que. Amen, Dieu a béni une personne. C'est l'obéissance à sa parole. Si tu vis mal, Dieu ne va jamais te bénir. Lui, il voit dans le secret. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est que Dieu voit dans le secret. Seigneur, il est merveilleux, mais Dieu te voit, il connaît ton cœur. Il y a des gens qui aiment bien, double jeu, double vie, tout ça. Mais Dieu ne trouve pas d'intérêt de lui. Parce qu'il sait que si tu es béni, il va te détruire. Je connais un jeune homme. Lui, quand la traite vient, vous avez la traite en face de voir le coucou, après, on voit les cacao là. Il quitte la main de Dieu. Il est dans les maquis, il est truit, il attrape les petits, il change les prières, les portables. Quand traite, là, vous savez que à partir de février, la vie est finie. C'est là qu'il dit, Seigneur, tu sais, j'ai beau pécher. Seigneur, j'ai péché contre toi. N'oublie pas ton fils saint et belle, il est bien à toi. Ton fils, tu vois là. Si nous donnons l'argent, je vais te respecter, s'il te plaît. Mais dès qu'il est la traite, il est mort dedans. Bon, un monsieur comme ça, là, tu vas lui donner 1 million. Il va gâter. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de gérer 100 000. Comment Dieu va donner 1 million?
Il y a dans ce cas ni même qui cherche dans quelle main qui est parti. Quelque part. Mais c'est fini. Dieu dit, ah, dans lui là. Si le jour lui donnait 100 millions, je le détruis. Mais c'est vrai. Il s'est dit, il va te détruire. Donc il ne trouve pas d'intérêt de donner 1 million. Ah, c'est pas bon pour toi. 100 000 déjà, 50 000, tu cherches pas. On dit, il y a un bar, il trouve, il s'est dit. À ma courir là même. Bon, donc, tu n'as pas trop d'intérêt de donner l'argent. Parce que vous réfléchissez là, Dieu réfléchit 1000 fois que toi. Amen. Vous voyez, Dieu est le coq de ton camarade, il est très intelligent que toi. Amen. Seigneur, bénis-moi. Dieu dit, mais il te bénit, pas pour ça. Là, je te connais. Si toi, il te bénit là, tu vas aller dormir les prostituées. Il y a des gens, le seul travail, j'aime bien les prostituées. Oui. Nos femmes simples là, ça ne vous dit rien. Hein? Les filles vont créer des problèmes là-bas. Là. C'est ça que vous regardez. Vous regardez. Amen. Amen. Cherchons à marcher sur la parole de Dieu. Amen. Quand on marche sur la parole de Dieu, il bénit. Amen. J'ai trop de bénéfices dedans. Non seulement c'est la bénédiction, mais il y a la protection de Dieu. Et Dieu dit, ce n'est pas comme ça bénir quelqu'un. Or, Dieu ne peut pas te bénir, tout arracher cette bénédiction. Parce que la Bible dit que la bénédiction de Dieu ne peut pas soumise aucun chagrin. Vous comprenez les données, le prophète a su la Bible longtemps, parce qu'il attaque son fils. Pourquoi il vit longtemps, longtemps? Comment son régime est blessé à 86 ans? Lui, il vit longtemps, moi, il n'est pas vivant. Pourquoi? Dieu connaît le parcours de ma vie. Et si je m'adonne cette onction, c'est qu'il sait que je vois une longévité. Amen. Pourquoi avoir peur de sorcier? Pourquoi? Si moi, il donne la même maison que sorcier, ce sorcier, tu l'as étouffé. Amen. Mais oui. Et là, c'est le contraire. Et ils tombent pas. Ils vont payer des prières la nuit. Et il y a un sorcier dans la maison. Brise. Tout le quartier entend le village. Et les gens, c'est quand ils veulent entendre aller au village qu'ils gèlent. Ils confessent tous les petits péchés. Seigneur, tu sais, moi je rentre, je tords, je me lève, je rends gloire au Seigneur. C'est sorcier qui a problème. Au funérail de ma grand-mère, j'ai expérimenté quelque chose. Une sorcière voulait me manger. Oui. Ah, chez nous, les gens mangent. Hein. Je parle avec ça. Elle dit, ouais, je veux que tu braises, moi j'ai avec ici. Elle trouve ça quand même. On finit les trucs. La deuxième fois, ils vont au village. À 4 ou 5 heures, la vie est en train de crier dans la maison. Moi, je dormais. Fatigué, tout ça, j'assiste au funérail. On a fait sortir. Dans le village, on sait, quand sorcier attrape quelqu'un, les gens savent que c'est la manifestation. C'est qu'elle a voulu faire sorcellerie et puis c'est Dieu a fait la châtie. Donc, il avait les conseils de l'éternel. Moi, je ne sais pas crier seulement, je dormais. Et c'est dans la journée que j'ai vu, il est en train d'interroger. Elle a dit non, c'est lui là. C'est moi qui voulais prendre. Pour manger. Et bien sûr, ton épouse. Un petit qui a peur de qui n'est pas venu au village, tu veux le manger, tout ça. Ça veut dire quoi, toi, ta société là? Ça n'a pas